Donc vous êtes chez Atelier d'œuvres de forge, donc ferronnerie, métallerie, serrerie située à Hautefort en Dordogne. Et donc on travaille ici avec 10 personnes, avec une équipe de 10 personnes sur des ouvrages d'art en particulier, donc la ferronnerie d'art et des ouvrages de serrerie métallerie. Alors on travaille principalement pour des architectes en, plutôt dans les métiers et dans les ouvrages autour du patrimoine. Donc la plupart du temps donc des châteaux, des hôtels et puis surtout des commandes un peu particulières, donc ce qu'on appelle des moutons à cinq pattes, donc des ouvrages qui sortent de l'ordinaire. On va travailler sur des ouvrages qui sont à la fois des ouvrages fonctionnels, donc des ouvrages fonctionnels mais artistiques, donc des portails, des grilles, des garde-corps, mais qui vont avoir un attrait esthétique. Et on va aussi travailler sur des ouvrages complexes, donc des ouvrages type plafond suspendu, type rampe d'escalier contemporaine, des choses qui vont sortir de l'ordinaire et qui vont être dessinées par des décorateurs, des designers, des architectes qui en amènent cette capacité-là. Le temps d'ouvrage est effectivement assez élevé. On est sur des ouvrages qui sont des métiers, en l'occurrence un métier de savoir-faire, donc des ouvrages qui sont sur mesure. Donc chaque élément rapporté prend du temps évidemment à fabriquer. C'est un métier à main d'homme. L'avenir et les projets d'Atelier de Forge se situent déjà dans un déménagement à court terme pour avoir effectivement un peu plus d'espace de travail puisqu'on a plusieurs commandes qui nous arrivent et on espère par exemple travailler sur peut-être Notre-Dame de Paris, il y a quelques serreries à faire et puis des beaux chantiers à Paris qui nous arrivent bientôt.